Aujourd'hui, on est là pour inaugurer, lancer officiellement un jeu qui s'appelle la Piste des métiers, qui a été soutenu par l'État et la région dans le cadre du CLEFOP, Sarthe Nord. Et c'est un jeu qui sert pour les enfants du collège à mieux comprendre et découvrir les métiers qui sont dans l'environnement du territoire auquel ils se destinent plus tard. Ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises en Sarthe, mais aussi dans d'autres territoires, sont confrontées à des difficultés de recrutement. Ce jeu permet de préparer l'avenir dans les 3 ans, dans les 5 ans qui viennent, pour que demain, les entreprises qui souhaitent recruter sur ce territoire puissent trouver, plus facilement peut-être, des salariés compétents, formés, qui ont envie de vivre dans ce territoire. Ce jeu, à la fois, est très collaboratif et permet de mettre des compétences et derrière chaque métier. Le club d'entreprise locale s'est impliqué dès le départ sur ce projet. Et c'est un très bel exemple à partir du moment où un club d'entreprise a pris une initiative que la région est venue soutenir la réalisation de ce jeu qui va maintenant pouvoir se déployer sur la Sarthe et pourquoi pas plus loin sur d'autres territoires. Cette initiative portée par les collèges, portée par le CLEFOP et portée aussi et avant tout aussi par les entrepreneurs qui ont souhaité mettre des mots, qui ont souhaité parler de leur entreprise et parler de leur activité et des compétences nécessaires autrement auprès des jeunes de façon très ludique. Et cette action-là, elle a été soutenue par la région et par l'État aussi pour ça. J'ai trouvé qu'il y avait un très fort intérêt des élèves et puis une communauté de professionnels autour de différents horizons qui est très investie, très engagée. Et je dirais qu'en tant que sous-préfet, ça fait vraiment plaisir de pouvoir accompagner, de pouvoir soutenir de telles démarches qui viennent d'abord du terrain, du territoire.